La sculpture Arbre à bras de Anne Claverie. Et en fait, c'est une sculpture qui récupère des matériaux industriels et comme le pneu, le métal. Le but de l'artiste, c'était de questionner sur tout ce qui est recyclage et aussi tout ce qui est artificiel. Moi, en voyant cette œuvre, ça m'a fait penser au fait qu'on est dans un paysage urbain et que justement, la nature, comment on peut l'amener afin de faire un contraste. Là, on se retrouve avec une œuvre d'Hector Zamora. Elle est intitulée Zigzag. Et ce qui est bien dans cette œuvre, c'est qu'on peut se balader dedans comme un labyrinthe. Donc là, on est devant l'œuvre de Yue Minjun, qui est un artiste chinois. Cette œuvre s'appelle The Tao Laughter numéro 4. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, du coup, il y a cet international non seulement de la finance, mais aussi de l'art lui-même. Du coup, l'international du rire aussi, parce que c'est un homme qui rit. On peut penser que, tout comme le rire, la finance ou l'art, cet international, c'est aussi quelque chose d'individuel, l'individualisme. Du coup, chacun a la vision d'une chose aussi simple que le rire. Alors là, on est devant la Mélusine de Yvan Navarro. On a l'impression que c'est un puits médiéval comme dans les anciens temps. Et il a joué avec des miroirs, des jeux de lumière pour former un trouble optique.